On va rester dans les installations de la primature. Les premières mesures sur la dédollarisation des paiements des résidents, les structures des prix des produits pétroliers et autres en vue d'améliorer les sociales. La réunion stratégique de la Troïka a fait un tour d'horizon sur ces différentes questions. Je vous propose d'écouter Daniel Moukoko Samba, vice-premier ministre en charge du budget. Quand vous avez un excédent dans le budget en devise, cela vient conforter les réserves de change. Donc aujourd'hui, la principale contribution à l'amélioration des réserves d'échange, c'est cet excédent du budget en devise à la suite de cette mesure de paiement des résidents uniquement en francs congolais. Une autre mesure phare vient de connaître ses débuts. Il va s'agir du paiement de taxes par certains secteurs, notamment le secteur pétrolier, le secteur minier, en francs congolais également, mais ce sont des mesures qui sont encore à l'étape de préparation. Elles seront effectives dans les jours qui viennent. Et nous voulons aussi avoir une meilleure connaissance de la structure des prix des produits pétroliers, tout comme aussi on aimerait avoir une meilleure connaissance de la constitution de taux d'intérêt débiteurs.